Minibus, clando ou pick-up, tous les moyens de transport sont pris d'assaut pour allier Libreville et les 8 provinces du pays. Voyageurs de tout âge et de tous horizons choisissent librement la voiture dans laquelle ils arriveront à destination. Agence de voyage ou chargeur, chacun trouve son bonheur en ces temps de vacances. Sur le chiffre d'affaires, vous savez que lorsqu'on commence, c'est difficile. Et la grande période de transport interurbain, c'est lorsqu'il y a des vacances, lorsque les vacanciers viennent. Donc ça augmente. Un chargeur de la gare routière qui a souhaité parler hors caméra dit ici les bénéfices tirés de ce travail. Nous n'avons rien qu'une période, en fait deux périodes de vacances et période de nos vacances. Donc ce qui fait que cette période, c'est une période d'affluence où nous gagnons assez aussi, donc un peu. Et la période de vache maigre, c'est la période de pluie. Donc pour l'instant, c'est rien que la province, l'extérieur qui paye, donc l'intérieur. Et la province qui est la capitale, ça pour l'instant, nous ne sommes pas encore en position. Le bon état des véhicules pour une sécurité totale reste la préoccupation principale des vacanciers. Nous ne le dirons pas assez, la prudence est de mise pour ceux qui empruntent la nationale. Voilà.